par demande populaire, j'ai pris un autre panier surprise. Et là, vu que je ne fais pas de calendrier de l'Avent cette année, je me suis dit, autant faire une petite vidéo à thème quand même. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. En gros, je vais au magasin, je prends le panier, surprise, je regarde vite fait. J'ai vu qu'il y avait des trucs qui avaient l'air sympas. Comme ça, j'en ai pris qu'un seul. Donc là, on a pour 5 euros deux paniers surprise. Encore une fois, les infos plus ou moins dans la description. Je ne sais plus trop si c'est avantageux. En tout cas, pour moi, ça l'est beaucoup moins qu'avant. Je peux vous donner le code parrainage. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Du poulet rôti, déjà cuit. Plutôt bien. Des yaourts. Encore une fois, très... on peut faire encore plein de choses. Des... C'est quoi ça ? C'est pas Gervais, c'est... Danonino. Des petits yaourts aux fruits. J'imagine plutôt dessert. Génial, de la ricotta. On sent le truc arriver. Une bûche de chèvre, facilement travaillable. Là, c'est pas mal parce que... Bon, c'est la fin. J'ai pas de sandwich ou de choses particulièrement déjà trop transformées. Donc, ça va être mes produits de départ. Je ne vais pas utiliser uniquement ça. Je me débrouille pour faire un petit peu mes règles parce que c'est ma vidéo. Voilà. Est-ce qu'il y en a vraiment pour 5 euros ? Je sais pas, mais déjà, je pense rien que les yaourts bio, nature, malo, ça doit être pas mal. Ce qu'il y a moyen de faire, ça, je vais le garder pour le dessert. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Là, on est vraiment en direct à un jour d'intervalle, mais vous avez l'idée. Le poulet, ben, je vais pas le mettre pour le plat, je vais le mettre pour l'entrée. Quoique là, on a une macédoine de légumes. Je sais pas si je peux pimper ça ou pas. Ah, je vais voir ce que je peux faire, entrée ou plat. Ça, clairement, ce sera le plat. Et on a un petit quelque chose. Ce que je peux rajouter, ça va être des trucs simples qu'il y a dans la cuisine. Par exemple, farine, œuf. Éventuellement, vous voyez peut-être où je veux en venir. Je peux utiliser le gaufrier. Voilà, il y a un peu de sucre, farine, œuf, des trucs, un peu de lait peut-être, trucs assez basiques. Là, il y en a pour 5 euros. Je ne dépasserai clairement pas les 10 euros. Je pense que je dépasserai pas les 8. Donc, c'est l'idée de faire pour deux personnes au moins, entrée, plat, dessert. Allez, on va essayer de faire un truc un petit peu festif avec ce qu'on a là. Donc, le côté festif, ça ne va pas être parce qu'on a du homard et que c'est la fête. Ça va être, je pense, plutôt pas, avec l'attention à apporter à la cuisine. Plus ou moins exprès, j'ai un reste de pain bien dur et ça, je vais l'utiliser aussi. J'ai des clémentines ou des oranges pour récupérer les zestes. Ça peut-être pour le dessert. À voir. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo où il y avait des pâtes. Donc là, c'est l'occasion. Je vais faire pour deux portions, donc avec 200 g de farine. Un petit peu de sel. Évidemment, je pourrais faire à l'eau. Mais c'est un repas de fête. Donc, quand je ne sais pas quoi faire, bah, je fais des gaufres ou des pâtes. Voilà, pas très original. Peut-être ça fait beaucoup. Peut-être vous en avez marre et que je le dis. Mais faire des pâtes, vu l'effort qu'il y a dedans, ça peut être rapidement le côté festif, même si les ingrédients ne sont pas extraordinaires. Mais là, on a des ingrédients qui sont très corrects. Donc, je commence par ça parce que ça demande du repos. Et si depuis le temps, vous ne savez toujours pas faire des pâtes, soit c'est que vous tombez sur cette vidéo que c'est la première fois, mais si vous en avez regardé, allez, ne serait-ce qu'une dizaine sur cette chaîne, depuis le temps, vous savez faire des pâtes. Vous savez faire des pâtes en période de crise, vous savez faire des pâtes avec machine, vous savez faire des pâtes sans machine, vous savez faire des pâtes en confinement enfermées à l'hôtel. Voilà, c'est pétri, elle est bien ferme, à peu près comme il faut. Je couvre jusqu'à bah, ce que je l'utilise, donc il faut avoir un petit peu de temps. Donc là, j'ai ce vieux pain rassis que je ne voulais pas jeter, je me suis dit, je trouve bien une façon de le faire. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des petits toasts que je remettrai avec un petit peu d'eau, un petit peu d'huile au four pour les retoaster et faire un genre de petits crackers uniquement avec du pain. Dans ma tête, ça rend bien, mais la difficulté, ça va être de couper des fines tranches sans que tout se casse. Genre comme ça. Est-ce que si je le mouille, ça aiderait pas ? Bon, si ça marche pas, je trouverais bien une autre idée. Hein, on n'est pas une idée près. Non. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je vais prendre ça et je vais refaire du pain. Je vais essayer d'avoir quand même des morceaux un peu gros. Je vais remettre un peu de farine pour essayer d'agglomérer le tout. Je vais laisser s'imbiber un petit peu, voir que tout se ramollisse parce que le pain, on partait de quelque chose qui était assez dur. Après, voir ce que je peux en faire. Donc là, dans l'esprit un petit peu crackers de pain, je vais rajouter un petit peu de parmesan. Pas beaucoup, mais juste pour donner un petit peu de goût. Donc là, je vais façonner cette bouillie. On va toujours plus loin dans la crise. Hein. Voilà. En gros, c'est ça que j'ai envie de faire. Voilà, si possible, un peu rond. Si aussi le pain dur, il s'était coupé facilement, je ne m'embêterais pas à faire tout ça. Là, on est à 3 étapes de plus, juste parce que le pain dur est dur. Scandaleux. Et là, vous le sentez venir, hein, dans le titre de la recette, qu'est-ce que je vais mettre ? Eh bien, rustique, quelques graines de sésame
histoire de rappeler un petit peu le côté crackers. Ça au four, voir ce que ça donne. On va continuer avec l'entrée. Bon, voilà, je vais pas dénigrer le produit, mais je suis clairement pas la cible de ce genre de poulet rôti tout prêt. Je vais garder l'autre à côté. Donc avec ça, on va mettre au moins un yaourt. J'essaie de pas prendre trop le jus. Est-ce que j'en mets un ou deux? Franchement, un yaourt, ça peut aller, hein. Donc là, pareil, vous le voyez venir, hein. Je vais utiliser un petit mélange d'épices. Encore une fois, je l'avais montré dans une vidéo avant. Là, c'est les petits mélanges d'épices de Saut Classique. Il y a toujours 20% avec le code FREDOLABOVIN. Encore une fois, tout est marqué en description. En termes de gestes techniques, c'est très limité, mais ça aide beaucoup à ce genre de petite préparation. Ça donne pas complètement envie et le but, ça va être de le cacher. Et là, mon interrogation, ça va être est-ce que je le cache dans le plat ou dans l'entrée? Est-ce que ça va bien ensemble? Ça, est-ce que ça peut passer? Je pense que tant que j'en mets pas trop, ça va. Donc, je vais pas tout mettre, mais histoire de dire que j'ai tout utilisé, je vais en mettre un petit peu. Je goûte et regoute, mais bon, il n'y a que moi qui ai mangé. Ça passe bien. Pour le plat, vous avez compris, ça va être ravioli. Ça va être principalement de la ricotta avec fromage de chèvre. Par contre, je vais mettre que la moitié. Donc ça va être la farce des raviolis, à laquelle je vais rajouter, il me reste du basilic qu'on a remis à l'intérieur. Donc pour l'instant, il est plutôt bien. Le pauvre basilic à l'intérieur, il commençait à faire des fleurs. Il n'allait pas aller très loin, hein. Parce que du basilic en décembre, bah, clairement, c'est possible, hein. Et à celui-là, je vais en rajouter un petit peu de celui qu'on a congelé. Il manque d'un petit peu de sel. En tout cas, on sent bien le basilic. Mince, j'ai mis du sel, mais j'aurais mieux fait de mettre un peu de parmesan. Avec la ricotta, c'est super bon. Cette vidéo est sponsorisée par les produits laitiers. Non. À ça, je vais rajouter un petit filet de miel. Bon, et ce sera pas un filet vu que là, il est cristallisé. Donc oui, je m'autorise à rajouter des petites choses. Je mets ça au frigo. Et donc pour le dessert, dans ma tête, ça rend très bien. Encore une fois, je voulais faire un genre de, je sais pas comment ça s'appelle, des biscuits italiens qui sont en forme de cylindre remplis de crème. La crème, ce seront des gervés. Et autour, ce sera une gaufrette assez fine. Donc avant, je vais quand même préparer la crème, voir si c'est bon. Et là, j'ai des yaourts, framboises, abricots, fraises. Et donc le dessert, il va être multifruits. Les goûts sont marqués, mais sans plus, hein. Donc je pense que ça pêche pas si je fais un pêle-mêle. Voilà, c'est prêt. Non, ici, du sirop de gingembre. Il faut absolument que vous regardiez la vidéo d'avant avec les produits du site Saveur Dom Tom. En plus, vous avez un code promo. Là, si vous le faites, vous pouvez avoir des choses avant les fêtes. Dépêchez-vous, aujourd'hui il y a quelque chose de spécial. Allez voir sur le site, allez voir sur leur Instagram. Il y a plein de choses à faire et c'est des produits très très sympas. Pour casser avec le côté un petit peu trop enfantin, je vais ajouter un petit peu de, pas d'amertume, mais un petit peu de surprise. Qu'est-ce que ça donne ça? Ouh, il se passe beaucoup de choses. On a le côté très agrume qui ressort, doux avec les autres fruits. C'est beaucoup trop liquide. Donc il faudrait que j'essaye de figer ça avec quelque chose et je pense qu'une mousse, genre avec des blancs en neige. Là, c'est peut-être un petit peu triché. Là, je vais éclater le budget. Je vais rajouter des graines de chia. On va dire que c'est les graines de framboise. Donc ça, je mets au frigo, je laisse prendre un petit peu et je crois qu'on va pouvoir faire les gaufres. On va faire 2 œufs. Allez. Donc là, c'est à peu près 20 quelques grammes par œuf. Donc là, je vais mettre 40, peut-être 45. Et ben, il n'y a plus qu'à fouetter ça jusqu'à ce que ça ait bien pris en volume. On va rajouter de la farine. Pareil que de sucre, à peu de choses près. Donc là, je vais partir sur une petite cinquantaine de grammes. Peut-être du tamisé. Et là, je vais incorporer ça délicatement, juste avant de cuire. Et on va passer à côté pour la cuisson. Donc là, évidemment, j'ai mis les plaques pour gaufrettes. Combien qu'il en faut, je ne sais pas. On va voir déjà avec ça. Mais ça déborde pas trop. Ça cuit vite quand même. Voilà, et maintenant, ce qui va être compliqué, comme on peut l'imaginer, ça va être d'essayer de les rouler. Est-ce que j'ai quelque chose d'à peu près cylindrique sur... Oh bah, voilà, la fameuse tringle. Ah, hop, ça m'a l'air bon. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est... Et là, rouler rapidement, vite, vite. L'autre aussi, il faudrait que je le fasse, mais... C'est chaud ces trucs quand même. Bon, je pense que clairement, il y aura largement assez de quantité pour les 2-3 essais que j'ai envie de faire. Je vois déjà le problème à la dégustation, ce genre de forme. Peut-être un petit peu trop large le diamètre. That's what she didn't say.
Mais est-ce que j'ai pas, voilà, un cylindre un peu moins large? Je peux essayer avec ça. En plus, peut-être le métal, ça refroidira plus rapidement. À voir. Bon, on va faire le deuxième essai. Deuxième essai. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est de rouler dans l'autre sens. Voir si c'est pas mieux d'avoir plus de d'épaisseur. Peut-être c'est mieux ça. Hop, et là je peux laisser refroidir. Et même, regardez, si je suis moins bête, je peux le faire là-dessus. Je me brûle pas. Si. Et là après peut-être limer un peu les bords pour faire quelque chose de plus net, de plus précis. J'aurais pu le faire quand c'était encore chaud. Ça va. Bon, bah, le dessert, il reste plus qu'à assembler. L'entrée, ça finit de cuire au four. Donc, ça va être plutôt bien. Bah, c'est le temps de faire les raviolis. On peut les faire à la main. Je le dis à chaque fois que j'utilise la machine. Maintes et maintes fois, je les fais à la main. Mais là, voilà. Déjà qu'il y a suffisamment à faire en cette période de fête. Je vais pas me rajouter du travail. Et là, ce que j'ai vu de ce qu'on m'a dit. Apparemment, certains chefs font ça. On peut se débrouiller comme ça pour tout étaler en faisant un ruban fermé. C'est que l'épaisseur est constante là. Il n'y a pas la partie qui est plus en pointe à la fin ou au début. Voilà. Et donc là, normalement, ce que j'ai juste à faire, c'est augmenter l'épaisseur, enfin diminuer l'épaisseur plutôt. Et il y a tout qui va se rouler tout seul. J'admets, j'étais un peu réticent à l'idée, mais ce qu'il y a, c'est que vraiment, il y a tout qui est rectangulaire. Une fois qu'on va découper, et ça c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai déjà fait un tour et demi, je pense que je peux m'arrêter là. Tout qui est à peu près la même épaisseur. Après je sais pas s'il y a une technique plus simple que ça. Voilà. J'imagine ce qu'il reste à faire c'est couper ici. Il faut pas qu'il y ait trop de farine, sinon après ça collera pas. Je vais partir sur des gros raviolis, genre mi-épaisseur. Un petit peu d'eau quand même pour me dire que j'ai tout fait pour que ça marche. C'est le moment d'y mettre le plus de doigté possible. Ensuite, les petits coups. Si par hasard vous voulez la référence de cet outil magique, c'est en description. Mais là, c'est vraiment bête, mais pourquoi j'en fais pas plus souvent des comme ça? Là, je pense que 5, c'est pour une personne. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des morceaux de chèvre, enfin de fromage de chèvre. Ça fait un peu de mâche, un peu de trucs sympas. On aime beaucoup. À deux doigts, c'est plus rapide. Moi qui pensais ne pas en avoir fait assez. Oh là 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 là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les congeler quasiment à plat. Avant de les mettre dans un tupperware pour pas qu'ils collent trop les uns sur les autres. Parce que j'ai pas pu faire tellement mieux, ils sont quand même un petit peu superposés. Bon. Et ben là, on est quasiment bon. Je range un peu. Je fais cuire mes 5 raviolis pour midi. Là, je suis tout seul, donc 5, ça sera largement bon. Là-bas, il y a au moins 2 portions. Hop, je vais servir dans cette grande assiette. Histoire de faire, de faire genre, hein, clairement. Là, il reste un petit peu de garniture. Ça, je nettoie avec l'eau de cuisson qui contient aussi un peu d'amidon. Et ça nous fera quasiment la sauce qui restera globalement un peu plus chaude et qui évitera que les raviolis collent un peu entre eux. Tant que c'est chaud, un peu de parmesan. Donc là, avec la petite soupe, je me dépêche pour faire la suite. Ça, je mets de côté. Hop, ça, c'est pour le dessert. Regardez la crème. Elle est beaucoup. Enfin, la crème. Le yaourt se tient bien mieux que j'ai retourné à mi-cuisson au four. Ils sont vraiment bon et vraiment croustillant. J'en fais deux parce que je suis tout seul. Mais sinon, nature comme ça, ils sont sympas. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est mettre un peu plus de parmesan et de fromage dedans. Pour avoir le cracker nature. Mais là, bon, allez, j'en fais trois parce que deux dans une assiette, ça le fait pas trop. Au début, je voulais mettre des petites rondelles de citron, mais il n'y en a plus de citron du balcon. Les lime quat. Donc ce que je vais mettre, c'est ici un petit peu de ce qui nous reste quand on commande au jeu, des sushis. Vous voyez le truc arriver. J'ai mis la crème dans un sac de congélation. Bah, je vais en faire un et demi avec le petit. Hop. Et avec un peu de chance, la crème qui est un peu du côté liquide va être absorbée. L'excédent de liquide va être absorbé par
Le biscuit autour qui est un petit peu sec. Le cache-misère. Le sucre glace. Ne me regardez vraiment pas. À côté, mignon tout plein. Le plat de pâtes qui est juste là, que je peux agrémenter avec du poulet, mais c'est pas forcément nécessaire. Parce qu'il me resterait du poulet. On est plutôt bien. J'aurais pas eu cette contrainte, je les aurais pas fait. Et là, j'aurais pu mettre autre chose en bas, du pain de mie, n'importe quoi. Mais là, c'était vraiment pour pousser le vice et de dire, je vais prendre vraiment ce que j'ai et pas gaspiller. Voilà. Il y a moyen que ce soit un peu dur et dur de faire en deux bouchées. Donc, il y a moyen qu'en cours de... vous verrez. Il se passe beaucoup de choses. Les jeux de texture sont extra. C'est croustillant, c'est un peu crémeux, salé, épicé. Et à la fin, ça marche. Un petit peu acide, la macédoine, elle y serait pas, elle manquerait pas. C'est dommage. Bon, après, c'est peut-être les seuls légumes du plat. Sorry, not sorry. J'aurais pu mettre des fruits dans le dessert. J'avais pas de fruits dans le panier. Cette idée de crackers, sans mixer le pain, c'est pas mal parce qu'on a des textures, des morceaux qui sont vraiment très croustillants par rapport à d'autres. On aurait pu mettre des épices comme aneth et autre chose qui vont bien avec cet imaginaire qu'on a d'un quelque chose de saumon crème. Mais s'il n'y a pas de saumon, il n'y a pas de crème. Le poulet, on le sent quasiment pas. Parce qu'il y a tout plein de choses autour. Voilà. Mais les petites épices, plutôt bien. Je mets ça de côté. Le plat. Après, je mangerai tout. Hein. C'est ravioli, mais... peut-être qu'il me faudra un couteau pour que je le mange en deux fois. Peut-être. En tout cas, là, ce qui est bien avec ce petit jus, qui ne paie pas de mine, qui n'est pas forcément le plus glam, mais les raviolis ne collent pas entre eux. Bah, les pâtes, c'est bon. On sent la chèvre. On sent la chèvre. On sent le chèvre. C'est marrant, ça, quand même, le chèvre. On sait ce que c'est, la chèvre. Aussi. Le miel un petit peu qui est là. Le basilic qui vaut le coup d'être planté. Plat de fête, oui, on aurait pu mettre les traceurs de fête, mais là, c'est plat de fête de crise, mais avec des choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal. En termes d'effort, de présentation, franchement, c'est plutôt bien. Allez, je me fais un deuxième ravioli devant vous, mais je mange le reste après. Ces petits cylindres, ça tient toujours. Le fond, c'est pas ramolli. Donc, je pense ne pas les préparer le matin pour le soir, évidemment. Peut-être une heure avant, ça devrait peut-être pouvoir tenir. Après, personne enfin, sûrement refera ça. Avec de la chantilly, ça aurait été peut-être plus sympa pour avoir le vrai truc, mais... mais ça marche. Bah, un peu comme... il y a le rappel de l'entrée en termes de texture et de traceur. Yaourt, peut-être. Mais c'est hyper bon. Ça, c'est le côté pratique de rouler comme ça. Le gaufrier, je le dis à chaque fois, c'est magique. Avec différentes plaques, c'est génial. À optimiser, avec quelques petits fruits dedans. On les voit, les framboises, là-dedans. Elles iraient très bien. En gros, c'est une charlotte déstructurée, restructurée, quoi. Pauvre charlotte qui a pris cher pour pas grand-chose. Je veux pas dire que j'ai des bonnes idées, parce que à chaque fois, c'est des choses que j'ai déjà faites. On prend un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On peut se faire plaisir avec ça, avec des restes et des produits surprises. Voilà. J'ai peut-être eu de la chance avec le panier, mais il y a toujours moyen de faire un petit quelque chose. Donc sur ce, j'espère que ça vous plaît. Moi, il est 12h50, je me donne le challenge de publier la vidéo vers 18h. Donc il faut que je range, monte, publie. Ça devrait le faire. Au pire, vous ne savez pas quel jour c'est. Sur ce, merci beaucoup et moi, je vous dis à très bientôt.